Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment regarder des vidéos sur Internet. Il existe de nombreux sites qui diffusent de la vidéo. Vous êtes prêts? À tout de suite. Donc on se retrouve sur notre bureau. Donc là, je vais lancer mon Internet Explorer, le navigateur Internet. Donc ici, si on veut aller directement sur YouTube, il suffit de cliquer ici là-haut sur YouTube. Donc là, je vais taper ce que je veux rechercher. Par exemple, on va faire tempête. Tempête en mer, par exemple. Mer. Et je vais venir appuyer sur ma petite loupe. Donc par exemple, je vais cliquer ici dessus. Sur ma vidéo. Donc ici, si on veut arrêter le lecteur, on clique ici dessus. Ici, on va pouvoir gérer le son. Donc on va pouvoir soit augmenter, soit diminuer le son. Ici, on va avoir les différentes qualités d'image. Hein, donc ici, on a la super qualité en 480 pixels, 360, 240 ou en automatique. Ici, c'est un petit lecteur. Ça, c'est pour agrandir un petit peu. Hein, donc, on agrandit. Et ici, on va l'avoir en plein écran. Pour quitter le mode plein écran, je quitte ici le mode plein écran. Si je veux revenir sur mon petit lecteur, je reviens sur le petit lecteur. Ici, on sait que cette vidéo a été vue par 192 634 personnes. Donc, hein, il y a 188 personnes qui aiment cette vidéo, il y a 5 qui n'aiment pas. Donc ici, il y a des gens qui ont laissé des commentaires. Hein, donc, hein, c'est possible. Donc, vous pouvez aussi sur mon site laisser vos propres commentaires. Donc ici. Cette personne a fait 12 vidéos. Hein, donc si je veux venir voir ces autres vidéos, je viens cliquer sur la petite flèche qui est à côté de vidéo. Et ici, hein, j'ai les différentes vidéos. Donc là, il a une deuxième page. Hop. Donc c'est pas grave, ça fonctionne pas. Donc ici, si je veux lire, hein, ma vidéo, je clique dessus. Si je veux la mettre en plein écran, je vais pouvoir la mettre en plein écran. Hein, donc c'est une vidéo sur la tempête en Bretagne. Donc là, moi, je vais arrêter. Hein, donc on a vu comment aller voir des vidéos sur YouTube. Maintenant, on va voir comment regarder des vidéos sur Dailymotion. Alors c'est un petit peu le même principe. Au lieu d'aller sur YouTube, on va aller sur Dailymotion. Donc je vais taper Dailymotion. Voilà. Dailymotion. Donc là, je vais taper ce que je veux rechercher. Par exemple, on va mettre tempête. Allez, neige, ce coup-là. Je fais rechercher. Ici, par exemple, je vais prendre cette vidéo. Donc, hein, on peut savoir qu'il y a 831 personnes qui ont vu cette vidéo. Alors, elle a du mal un petit peu à démarrer. Alors ici, hein, dans ce site, il y a de la publicité. Hein, donc sur certains sites Dailymotion ou YouTube, il y aura de la publicité. Alors on va faire une petite pause et on se retrouve tout de suite. Donc là, on se retrouve. Notre vidéo démarre. Donc ici, si je veux mettre en pause, je peux mettre en pause. Autrement, je peux le faire partir. Ici, si je veux augmenter le son,
si je veux mettre en plein écran, je vais mettre. Hein, donc ici. Hein, je peux me déplacer. Alors nous allons voir un autre site qui s'appelle Vimeo. Donc là, je clique sur Vimeo. Et là, je vais taper ce que je veux rechercher. Par exemple, on va changer, on va mettre Bretagne, tout simplement. Et j'appuie sur ma petite loupe. Par exemple, hein, cette vidéo me paraît sympa. Donc là, je clique sur la vidéo. Donc c'est un peu la même chose. Donc là, ici, on va pouvoir agrandir la vidéo. Ici, c'est pour lire. Donc là, si je veux lancer ma vidéo, donc, il vient se lancer. Voilà, c'est parti. Alors, un petit coup de pub là aussi. Apparemment. Où c'est sponsorisé. Ah, donc, c'est un site qui présente du surf, apparemment. Voilà. Alors, on va avancer. Donc, si on veut avancer un petit peu notre vidéo, on peut avancer. Si je veux le mettre en plein écran, ici je vais pouvoir le mettre en plein écran. Si je veux quitter ce mode plein écran, il suffit de rappuyer sur échappe. Donc vous voyez, hein, c'est très simple de regarder des vidéos sur Internet. Alors je vais vous montrer un dernier site Internet, hein, où on va trouver des vidéos, mais il existe des centaines de sites sur Internet trouvant de la vidéo. Donc, on va taper Yahoo. Voilà, Yahoo France. Et dans le moteur de recherche, ici, on a vidéo. Donc, je vais venir sur vidéo. Et par exemple, on va taper aviron, par exemple. Je fais recherche de vidéo. Voilà, par exemple. Aviron Raid Marseille, je clique dessus et j'ai ma vidéo. Alors c'est une des vidéos de YouTube. Voilà, et ben je vous remercie de votre attention et espère vous retrouver très prochainement. À bientôt!